Good day and Bonjour, bienvenue à cette série de dialogues pour l'Afrique 2021, l'événement phare du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique. Le thème de cette année est appelé « Identité culturelle et appropriation, forger les mentalités », qui correspond au thème de l'année pour l'Union africaine, art, culture et patrimoine, levier pour bâtir cette Afrique que nous voulons. C'est un événement organisé en partenariat avec l'UNESCO. Je m'appelle Modesta Maïga Mbuguni. Je suis une panafricaniste d'origine tanzanienne. Je suis là pour animer ce que je pense va être une conversation prometteuse, riche, tournée vers l'avenir entre des cinéastes et des historiens africains emblématiques qui continuent à forger les discours, les mentalités et à influencer la politique dans leur domaine. Excellences, mesdames et messieurs, nous allons accueillir Tsitsi Dagaremba, une scénariste, réalisatrice, productrice, romancière, dramaturge zimbabwéenne, Dayo Ogunyemi, un entrepreneur nigérian qui investit dans les films, les médias et la technologie. Nous vous invitons à partager cette conversation sur Twitter avec @UNOSAA1, hashtag Africa Dialogue Series, hashtag ADSG 2021, hashtag l'Afrique que nous voulons. Je prie les intervenants de bien vouloir éteindre leur microphone, mais si vous avez envie d'envoyer des tweets, n'hésitez pas à le faire. C'est un format très simple que je vous propose. Avant de vous présenter, je vais donner lecture de votre biographie, je vais vous demander de m'en dire un petit peu plus, et puis ensuite nous engagerons tout simplement la conversation. Alors sans plus tarder, j'aimerais d'abord vous présenter Tsitsi. Scénariste, directrice, productrice, romancière et dramaturge du Zimbabwe, Tsitsi Dagaremba a obtenu son master en cinéma de l'Académie allemande de film et de télévision à Berlin. Elle a produit plusieurs documentaires et courts-métrages. Elle figure au générique de plusieurs grands classiques du Zimbabwe, dont Neria et Everyone's Child, qu'elle a coécrit et réalisé. Son court-métrage musical Carré Carré Swako Mototei 2005 a été primé. Il a été projeté à la compétition du court-métrage du Sundance Film Festival. Elle vit à Harare. Elle a fondé la maison de production Near Eye Films, le festival du film de la femme, la plateforme de développement de l'industrie cinématographique au Zimbabwe, une organisation de cinéastes professionnels du Zimbabwe, un hub pour les femmes cinéastes. Elle a dirigé l'Institut des arts créatifs pour le progrès in Africa We Trust. Elle mène plusieurs projets de front, dont une série télé Emma Rhythmics, des adaptations de plusieurs romans africains. Elle participe également au projet Mango. J'ai presque fini. Tsitsi est également chercheuse invitée au Harvard Dubois Institute, MIT et l'Université de Northwestern. Elle a donné des conférences à la Fondation Nelson Mandela, à la Fondation Thabo Mbeki, aux instituts Amapumbewe et Stellenbosch. Je fais de mon mieux avec la prononciation. Où elle est chercheuse actuellement. Elle a pris la parole à des manifestations, à des festivals en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord. Son premier roman, Nervous Conditions, à fleur de peau, a été présélectionné pour le prix Commonwealth en 1989. C'est un roman qui a été nommé parmi les 12 meilleurs romans africains du XXe siècle. La BBC l'a désigné comme un des livres qui avait forgé le monde. Son troisième roman, Mournable Body, a été présélectionné pour le prix Booker de 2020. Elle a reçu de nombreuses récompenses dans son pays. Alors merci, merci pour votre contribution à la culture africaine, aux arts et au patrimoine. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Alors j'ai une première question à vous poser, Tsitsi. Avec cette contribution aussi riche, aussi diversifiée,
Que voyez-vous en l'Afrique qui vous pousse à investir dans l'économie créative avec autant d'énergie? Nous ne vous entendons pas. Merci pour cette introduction très aimable, Modesta. Ce que je constate en Afrique, c'est une aspiration à mieux comprendre ce que nous sommes, quel est notre potentiel et notre capacité à libérer ce potentiel. Et je crois que ces aspirations vont de pair. Nous n'allons pas pouvoir exploiter notre potentiel, le libérer, si nous ne savons pas mieux quelle est notre identité, notre place dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Et cette place dans le monde, eh bien, elle dépend de ce qu'était le monde et de nos origines. Et c'est un travail que je réalise à Stellenbosch, où je suis chercheuse. Je me penche tout particulièrement sur la migration bantoue, ce qu'on appelle la migration bantoue, l'histoire de ces populations qui parlent ces langues très proches, que l'on appelle le groupe des langues bantoues, ces populations qui se sont développées, qui ont migré dans tout le continent, depuis l'est du Nigeria, jusqu'au nord du Cameroun, ce qui a commencé il y a donc jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une histoire très riche de personnes qui migrent, qui rencontrent d'autres personnes, qui se développent, qui partagent leur culture jusqu'à l'Afrique du Sud, jusqu'au Cap. Donc je crois que si l'on se replace dans ce contexte historique, on peut vraiment se débarrasser de ce discours qui nous dit que nous nous sommes constitués en 1980. Bien sûr, si l'on pense que l'on a seulement 41 ans, c'est troublant, 41 ans. Donc, nous devons faire face à cette situation. Nous devons comprendre ce que cela signifie pour le présent, comment l'on peut façonner notre avenir de façon à ce que tous sur le continent puissent prospérer. Et c'est, je crois, ce qui est à la base du panafricanisme. Lorsque l'on tient compte de cette histoire plus ancienne, on s'aperçoit qu'il y a des connexions entre les populations. Certains souhaiteraient que l'Afrique ne prospère pas. Ils nous disent que nous faisions partie de ces petites tribus discrètes qui n'avaient pas de relations avec leurs voisins, qui ne savaient rien, il n'y avait pas de commerce auparavant. Tout cela est manifestement faux et nous devons chercher cette vérité, nous devons l'exposer au grand jour, nous devons accepter ce que nous sommes et nous devons partir de là. Alors merci de nous avoir donné la toile de fond de votre travail, de nous avoir parlé de vos objectifs. Alors, j'aimerais poser une question complémentaire, mais auparavant, j'aimerais présenter Dayo et nous pourrons engager le dialogue sur ce que vous venez de dire. Dayo, je vais parler de vous à la troisième personne tout au long de sa carrière. Dayo a travaillé comme entrepreneur, investisseur, musicien, journaliste, DJ, producteur, spécialiste de la propriété intellectuelle, consultant. À présent, il conseille, il promeut, il investit dans les entreprises africaines de l'économie créative, notamment les start-up, la technologie, la mode, la production d'événements, l'agrégation des contenus, la production de films, la distribution. Le portefeuille 234 Media comprend M-Survey, Cinema, Starfleet Cinema, House of Deola Sagwe, Pixaplex et The Africa. Et auparavant, il a fondé Lexscape, une start-up qui utilise l'intelligence artificielle et la technologie des systèmes d'experts pour changer la consommation et la pratique du droit. C'est vraiment très intéressant. Il a également cofondé une banque d'investissement en Afrique de l'Ouest.
Et il s'est toujours intéressé à l'impact de la technologie et des médias sur le développement des sociétés et de l'économie, particulièrement en Afrique, ce dès en 1991. Il avait fondé à l'époque Naijanet, la première communauté en ligne du Nigeria, en première année à la MIT. Après ce que Titi vient de nous dire au sujet de l'histoire, qu'en pensez-vous ? Je suis tellement contente que vous soyez des réalisateurs et réalisatrices parce que c'est pour en apprendre davantage sur vous, il suffit de consulter YouTube. Donc j'ai eu l'embarras du choix pour préparer vos profils, mais j'aimerais, j'ai surtout apprécié cette dichotomie des deux Afriques que vous avez mentionnée. Alors j'aimerais savoir quelle est l'importance de cette compréhension de l'héritage riche du passé. Comment peut-on faire fond sur ce patrimoine pour créer l'Afrique que nous voulons grâce à l'industrie cinématographique ? Merci Modesta. C'est toujours difficile de prendre la parole après Titi parce qu'elle est formidable. Elle a influencé tant de personnes par ses livres, par ses films. Je crois que ce qu'elle a dit au sujet de l'Afrique et de la façon de replacer l'histoire de l'Afrique dans son contexte est essentielle. Si l'on prend ces 5000 ans, on a une perspective tout à fait différente. C'est intéressant de voir la technologie mobile, les autres technologies qui ont été utilisées en Afrique par la jeune génération. Si on compare à il y a 20 ans, il y a beaucoup plus de dialogues qui sont engagés au-delà des frontières, au-delà des délégations. Mais il faut se demander quelle est la profondeur de ces conversations qui sont engagées. Ce qu'il en est de l'appropriation de ces plateformes. Dans une certaine mesure, il y a une démocratisation de la technologie, les conversations se multiplient, certes, mais elles ne sont peut-être pas aussi profondes qu'elles devraient l'être. Ousmane Sembène était d'abord surtout un romancier, il est devenu ensuite réalisateur. Je suis sûre que Titi pourra nous expliquer pourquoi elle a élargi ses compétences, pourquoi elle est passée de l'écriture à la réalisation. Mais c'est très clair d'un point de vue technologique que le cinéma, l'image visuelle, est un moyen puissant de transmettre des idées. Et je crois que nous en sommes à un stade dans l'histoire africaine où la conjugaison des plateformes, le travail des artistes, des intellectuels est tel que nous pouvons transmettre des idées puissantes en grand nombre. Et du côté des médias, il faudra voir ce qui est communiqué, quelles sont les priorités de l'Occident, comme cela a toujours été le cas, les priorités, les discours qui ne donne pas toute son importance à l'Afrique en raison des plateformes qui sont utilisées, ou alors est-ce que nous allons pouvoir engager des conversations, présenter des histoires, toutes générations confondues, en Afrique. Ce sont des idées importantes que les artistes, que les créateurs propagent, particulièrement parmi les jeunes, la jeune génération. Merci beaucoup, Dayo. Il s'agit de donner vie à l'histoire, de vraiment présenter la version correcte de notre histoire. Et il faut combler cet écart générationnel. En raison de l'influence mondiale, les jeunes s'éloignent de plus en plus de l'histoire, de cette histoire, et l'économie créative, l'industrie créative a un rôle essentiel à jouer pour nous centrer en tant que peuple. Marie Clément, bienvenue. Nous ne vous entendons pas. Nous ne vous entendons toujours pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, toutes mes excuses. Pardonnez-moi, j'ai dû utiliser l'ordinateur de mon fils pour participer à cette conversation.
Alors, je suis actuellement en France. Donc, c'est un petit peu étrange puisque je parle de l'Afrique, je pense à l'Afrique tous les jours. Je réfléchis à cette question de la transmission de notre histoire, de notre histoire commune partagée à la jeune génération. C'est vraiment un problème parce qu'aujourd'hui, avec les médias, il y a beaucoup de bruit. Il y a certaines régions du monde qui parlent plus fort que nous. Et l'accès à ces plateformes, à ces médias, représente vraiment un problème aujourd'hui pour moi en tant que cinéaste, en tant que productrice. Je n'ai pas la chance d'écrire. Je crois que c'est aussi quelque chose de très important. Mais la vraie question, c'est de savoir comment l'on peut tendre la main à ces jeunes générations, comment on peut leur transmettre cette histoire qui a été principalement transmise par la culture orale. Et la culture orale, il y a une diminution, elle est diminuée en fait, cette culture orale, en raison de la civilisation écrite. On dit en français, celui qui n'a rien écrit est censé ne pas avoir existé. En d'autres termes, ceux qui n'écrivent pas n'existent pas. Et pour nos cultures, je crois que c'est un vrai problème, parce que nous devons leur transmettre ces connaissances. Alors, comment faire? D'une certaine manière, le cinéma, c'est formidable parce que l'on peut justement transmettre ce savoir oral à la prochaine génération grâce à un autre outil qui n'est pas autant dominé par l'expérience écrite et par la connaissance écrite. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Je suis francophone. Vous avez déjà commencé, donc. Voilà. Ce que vous dites est très clair et j'ai vu que Titi avait pris des notes. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce que Marie vient de dire, Titi? Votre microphone n'est pas allumé. Yes, I absolutely. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marie. Je pense que même nos livres et programmes scolaires ne sont pas vraiment faits pour l'Afrique, pour que l'Afrique se développe, pour que les Africains deviennent des personnes à part entière au XXIe siècle et au-delà. Je sais que dans mes parties du monde, dans la partie sud de l'Afrique, l'idéologie était d'avoir une éducation qui ferait de la population des tailleurs de bois ou des porteurs d'eau, tout simplement parce que cela contribuait au projet colonial. Et je ne sais pas si on s'est vraiment écarté de cela, en tout cas suffisamment pour créer le type de personnes dont nous avons besoin pour avoir un continent prospère, pour avoir des bonnes relations entre les nations, entre les populations. Et donc je pense que les films ont un rôle à jouer, mais dans un plus grand contexte, où il y a un souhait de créer un différent type de personnes africaines. Nous avons été créés d'une certaine manière par la colonisation et je ne pense pas que nous ayons réfléchi au type de personnes que nous voudrions voir arriver dans certains pays tels que le Zimbabwe. Nous avons eu une bonne éducation quelques années, même 2 décennies après l'indépendance. Et puis, l'éducation semble être devenue moins importante. Donc, il convient de se demander pourquoi ces types de processus sont constatés. Et il faut souligner que les films, c'est une partie de l'effort de développement d'une nation, d'implication de sa population dans différents types de visions, de réflexions. Mais il y a d'autres choses qui sont nécessaires simultanément. Je vois que Dayo et Marie opinent du chef. Je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit par Titi.
Alors, la thématique, c'est l'identité culturelle, l'appropriation, refaçonner notre manière de penser. Alors, que diriez-vous des autres éléments? Vous venez de parler de l'éducation. Comment pourrions-nous approcher cela? Comment pourrions-nous développer cette personne dont vous parliez, une personne saine, holistique? Je me souviens d'une vidéo de Tsitsi qui disait que notre difficulté relève d'un leadership africain qui est difficile. Alors, quelles sont les parties prenantes, quels sont les rôles qui sont nécessaires pour que l'on puisse développer tout cela entre tous les secteurs de manière holistique? Tsitsi. Nous avons besoin de différents manuels scolaires dans les écoles. Ça, c'est vraiment le point de départ parce qu'aujourd'hui, on a l'éducation qu'on reçoit. Et aujourd'hui, cette éducation prépare les gens à recevoir un certain type de discours. Et lorsque j'ai fait mon court-métrage « Karikaritzvako », ce film était fondé sur une histoire populaire au Zimbabwe. Ça a été montré le week-end et le lundi même, j'ai eu un appel téléphonique d'un jeune homme qui était choqué et qui m'a dit « Comment est-ce possible, Tsitsi, on peut faire de cette histoire un film ?» Mais toute notre histoire nous dit que tout a commencé au 19e siècle et que toute notre modernité, elle est européenne et qu'on doit toujours se retourner vers l'Europe. Nos élites dans nos pays se comportent de cette manière. Leurs enfants vont dans des écoles européennes, consomment des produits européens et c'est ce à quoi on s'attend. Et donc, aujourd'hui, on s'attend à ce que le discours européen, les structures du discours européen existent toujours. Et il peut être difficile d'intéresser les gens aux discours locaux parce qu'ils ont été formés autrement que notre propre vision du monde. Donc c'est un travail important à faire, mais je crois qu'il est possible de le faire si nous décidons tous de nous engager dans cette voie de manière sérieuse. On ne peut pas simplement dire, voilà, les réalisateurs doivent s'en charger. Non, ça implique les réalisateurs, mais ils doivent travailler avec les décideurs politiques. Je sais qu'il y a eu des tentatives à l'Union africaine de travailler sur des films. On n'en a pas encore vu les résultats, mais c'est un travail en cours. Mais c'est le genre de structures qui doivent être mises en place. Alors, est-ce que c'est vraiment difficile de produire un manuel scolaire de niveau primaire qui présente une histoire différente de l'Afrique? Ça serait quand même pas aussi difficile que cela. Mais il faut le vouloir. Lorsqu'on aura ce manuel, eh bien, tout le monde sera alors prêt à écouter ces différents discours, des discours plus africains, et on commencera à communiquer. Merci beaucoup. Alors, j'aime cette approche pratique. Commençons par réécrire l'histoire, les manuels d'histoire de l'Afrique, et après on peut entamer d'autres conversations. Dayo, vous avez opiné du chef, et vous êtes d'accord avec Tsitsi et ce qu'elle a dit. Je voudrais vous poser une question. Quels sont les acteurs qui doivent intervenir, quels doivent être leurs rôles pour véritablement façonner ce nouveau discours, ce discours correct de l'Afrique, afin qu'on puisse jeter un pont entre notre passé et notre avenir. Alors, au risque d'exagérer, je dirais tout le monde. Tout le monde, je pense que les éducateurs doivent être impliqués, les décideurs politiques doivent être impliqués, je pense que les citoyens doivent être impliqués. Et il faut re-examiner ce que signifie être un citoyen dans le contexte africain. Lorsque Tsitsi parle des sociétés africaines d'il y a 5000 ans jusqu'au temps moderne, et les pollinisations croisées, les voyages, tout cela a signifié pendant des milliers d'années, eh bien, lorsque l'on se penche sur les frontières coloniales qui définissent, qui délimitent les 54-55 pays d'Afrique aujourd'hui, comment un enfant dans
un de ces pays s'identifie à cela. Je pense que Titi a tout à fait raison. À un niveau pratique, l'éducation doit être réexaminée, les décideurs politiques doivent être impliqués, mais cela doit se faire sur différents fronts. Et je pense qu'il est très difficile de dire qu'une chose importe davantage qu'une autre. Ce que les dirigeants font au niveau des collectivités locales, les politiques qui sont mises en place, les décisions qui sont prises ont des incidences très importantes. Mais les décisions qui sont prises au niveau des foyers, dans les foyers, sont également très importantes. Alors, je fais toujours référence à Tsitsi, mais et à ses livres, à son travail, qui ont exploré tout cela de manière incroyable. Et l'incidence que cela peut avoir sur un enfant, l'incidence que peut avoir l'accès à l'éducation sur toute une vie et sur la base des discours que ces enfants ont entendus. Il n'y a pas de réponse facile. Nous devons tous être impliqués. Je pense que ça doit aller du plus petit au plus haut niveau, même au niveau supranational. Je pense qu'à tous les niveaux, la vision appropriée, le niveau approprié d'intégrité, la compréhension appropriée de l'objectif doit exister, doit être défini, et ça doit se fonder sur des véritables points de départ. Donc nous avons une tâche incroyable qui nous attend. Pour atteindre la situation que vous avez décrite. Mais les outils existent. Je pense qu'il faut tout réduire à nos règles en tant que raconteur d'histoire, en tant que réalisateur, en tant que créateur. C'est simplement une partie de ce qui peut être fait. Étant donné de la popularité et l'accessibilité qui sont offertes par les communications de technologie, les technologies de communication, pardon, comment pouvons-nous boxer dans une catégorie supérieure, si je peux utiliser cette analogie? Marie, on ne vous entend pas. C'est très intéressant parce que moi, je viens du colonialisme français et c'est très important pour moi que de discuter avec vous. C'est la même chose d'ailleurs à chaque fois que je discute avec mes amis d'Angola ou du Mozambique ou qui, eux, étaient sous un colonialisme portugais. C'est très intéressant parce que la relation que nous avons avec nos cultures locales, nous place, comment dire, dans nous donne un second rôle par rapport à la grande histoire de l'Europe, celle qu'on doit apprendre. En France, récemment, on a même affirmé que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. Il y a un président qui a déclaré cela. L'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, ce qui est incroyable. On doit réagir quand on entend quelque chose comme cela. Et donc, la question de savoir quelle histoire doit être enseignée dans les écoles, elle est absolument fondamentale. Je pense que l'éducation et la culture devraient être au même niveau, perçues de la même manière que les vaccins et les denrées alimentaires. Nous sommes des êtres humains parce que nous avons une culture, parce que nous avons une éducation. Autrement, nous serions du bétail. Si on s'inquiétait que de manger et d'être vacciné, on serait vraiment du bétail. Et personne ne se soucierait de ce que l'on pense et de ce que l'on apprend.
Donc l'éducation est quelque chose de central, et la culture aussi. Je suis vraiment convaincu que après l'école, les enfants passent beaucoup de temps sur leur téléphone, devant leur télévision. Et donc l'histoire devrait également être apprise, diffusée au travers de tous ces médias, parce que la manière dont l'histoire est présentée de manière fixe aujourd'hui, malheureusement au travers de la fiction également, je pense vraiment que la culture, l'éducation devrait être au centre de nos efforts. Ça ne devrait pas être un deuxième objectif ou un objectif secondaire. J'entends souvent des producteurs me dire au quotidien, oh, vous savez, la culture, c'est pas vraiment important. Maintenant, on est au beau milieu d'une pandémie. On est au beau milieu d'une pandémie. Merci. Marie, merci beaucoup. Ce que vous avez dit à propos de l'alimentation et des vaccins et du fait que la culture est au même niveau, ça nous ramène au fait qu'on ne va pas avoir un tirage à pile ou face pour déterminer ce qui est plus important ou ce qui ne l'est pas. Alors, ma question est de savoir qui s'approprie tout cela. Oui, il faut des différents partenaires, mais qui va se charger de cela? Il faut quand même quelqu'un qui dirige, il faut quelqu'un qui gère cela. On ne peut pas tous aller en ordre dispersé. Alors, les réalisateurs sont souvent des instigateurs. Là, j'ai le Swahili qui me revient en tête, mais je dois continuer de parler anglais. Il faut peut-être remuer les choses, discuter des choses. Qui devrait prendre la direction d'un tel effort? Et comme Dayo l'a dit, pouvoir parler des valeurs familiales dans ou au sein même du tissu familial, mais également dans les entreprises, les organisations religieuses, etc. Qui va se charger de cet effort? Puis-je intervenir sur ce point? Bien sûr. Je crois que ce sont les praticiens qui doivent s'en charger. C'est eux qui doivent venir d'un contexte qui leur permette de s'approprier cela de manière informée afin que nous puissions présenter les bons discours. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui présentent des discours qui ne sont pas avantageux pour les populations concernées. Cela dit, vous ne pouvez pas le faire sans pouvoir. S'approprier cela, ça veut dire se donner le droit de produire quelque chose avec une ressource. Et pour qu'il y ait un processus de production, il faut qu'il y ait un pouvoir, des ressources. Et c'est là où le réalisateur doit avoir la possibilité de le faire. Est-ce que les Africains riches investissent dans les films? Qui investit dans les réalisations sur le continent? On voit maintenant Netflix. Il y a maintenant Netflix Afrique du Sud, Netflix Nigeria, en plus de Netflix Afrique, ce qui est formidable. Parce que c'est un marché libre. Mais où sont ceux dont nous parlons maintenant? Et si on ne peut pas avoir une véritable politique, une véritable réflexion qui permet aux gens de réaliser que la propriété de nos histoires est en fait la première étape pour être propriétaire de ce dont nous appelons nos voeux, à savoir des villes prospères, des nations prospères, eh bien, nous ne pourrons pas avoir cela parce que les personnes qui ont le pouvoir, qui ont les ressources, donnent ce droit à des personnes qui ne vont pas forcément présenter les mêmes discours que ceux dont nous parlons maintenant. Et Dayo a fait une recherche extrêmement intéressante sur ce point. Je pense que c'était le gouvernement allemand, le Goethe-Institut, qui parlait des moyens à investir. Mais je connais beaucoup de réalisateurs, dont moi-même, qui ont contacté des Africains avec des moyens. Et nous
certains d'entre nous ont eu la chance d'avoir des réponses. Alors, tout cela me ramène aux observations de Marie concernant les priorités ou les priorités perçues. Pourquoi les gens ne sont pas aussi réceptifs à ce type d'investissement alors qu'il s'agit d'un investissement pour, au final, façonner tout ce que nous voulons créer sur ce continent? Est-ce que c'est un problème historique, culturel? Pourquoi on n'y accorde pas autant d'importance comme, par exemple, en Europe, où il y a une véritable importance pour l'économie de la création? Non, please go ahead. Je crois... Non, allez-y. Marie, on ne vous entend pas. C'est tellement intéressant parce que vous venez du Nigeria, moi je viens de Madagascar, et je crois que nous sommes vraiment à l'opposé sur cette question. Au Nigeria, je crois qu'il y a vraiment un mouvement. Il y a un cinéma nigérian, qu'on l'aime ou non. Mais il y a un moteur, il y a une énergie de production qui vient du Nigeria. Dans le cas de Madagascar, ce qui est vraiment intéressant, probablement comme au Sénégal, c'est qu'il y a Universal. Alors je ne sais pas si c'est une entreprise française, mais en tout cas Universal. C'est une entreprise qui possède plusieurs multiplexes de cinéma dans ces pays et 100% des films qui sont projetés sont réalisés à Hollywood. Alors, ce que nos enfants voient, c'est Hollywood. Voilà le cinéma. Notre cinéma est considéré comme quelque chose pour l'Institut Goethe ou pour l'Institut français, quelque chose de très exotique, pas vraiment du cinéma. Donc, dès le départ, cette histoire est très importante. S'il y a un monopole de l'histoire des films qui sont projetés en Afrique, à l'exception du Nigeria peut-être, c'est parce que cela va dans leur intérêt. C'est toute une façon de voir le monde. La façon dont nous envisageons les priorités, c'est très facile de le communiquer par le biais des films, parce que même ceux qui ne peuvent pas lire peuvent comprendre. Donc c'est une priorité pour ces entreprises françaises d'investir, d'assurer le monopole des médias à Madagascar, en Afrique de l'Ouest. Et nos propres élites, elles sont déjà convaincues que c'est comme ça. Notre cinéma est mauvais, notre cinéma ne mérite pas d'attention. Parce que c'est l'autre cinéma qui doit être importé. Donc ce lien avec la culture du cinéma, dès le début, elle est mise en péril en raison de cette situation de monopole. Nous voyons très rarement des films africains à Madagascar. On n'en voit quasiment jamais. Donc c'est pas simplement une question de réalisation des films, mais aussi de distribution de cette image que nous voyons dans nos pays, qui est aussi très importante. Merci Marie. Dayo, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est une question de perception? Et auquel cas, que peut-on faire? Je crois que ce que dit Marie, c'est que la perception est influencée par certaines des réalités, par l'économie politique des médias. C'est tout à fait vrai. C'est vrai pour l'édition. La littérature africaine, comme vous le savez, a été beaucoup développée et façonnée par
maison d'édition britannique et européenne, la distribution. Et c'est intéressant. Cette conversation est très importante. Elle tourne autour des arts et de la culture. Et peut-être que c'est parce que nous sommes tous des réalisateurs dans cette conversation. Nous travaillons nécessairement dans le domaine des médias et dans le monde des affaires. Et très souvent, on pense que ce sont des choses entièrement distinctes. Mais je crois que Tsitsi a parlé à très juste titre de l'importance des arts et de la culture. Mais nous avons aussi engagé une conversation très pratique sur la politique réelle, sur le financement des médias, sur la création, la distribution, la promotion des médias. Et je crois que Marie a tout à fait raison. Je crois que c'est formidable. Le Nigeria produit sa propre histoire, la finance, la distribue. Et il ne fait aucun doute que dans le pays le plus peuplé d'Afrique, il y a une masse critique qui propulse les films nigériens en haut de l'affiche, alors que pour les pays moins peuplés, c'est plus difficile. Mais malheureusement, bien des problèmes liés au financement, à la distribution autour de ces histoires, ces défis existent au Nigeria aussi. Et je crois que cela en dit long, justement, sur ces histoires, sur cette histoire. Malgré tout, l'idée générale que l'on a du Nigeria, c'est que le Nigeria raconte sa propre histoire. Mais c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et je crois que cela s'inscrit dans le droit fil de ce que Marie et Tsitsi ont dit. Pour créer une nouvelle réalité, nous devons envisager cette réalité, nous devons la présenter, nous devons savoir à quoi ressemble cette réalité. Et si nous avons une idée, en tant que créateur, en tant que cinéaste, nous devons la présenter au monde et on ne sait pas très bien ce qui va se passer avec cette réalité. J'ai été frappée, il y a eu une conversation récemment sur la sélection du prix Booker. Alors je sais que c'est un média différent, c'était des romans, mais c'était intéressant de voir combien d'écrivains primés, établis, ont pris la parole pour dire « Nervous Conditions, à fleur de peau, a changé ma vie ». Ce roman, c'est la raison pour laquelle j'écris. Et je crois que c'est important d'aller de l'avant, de planter une graine en tant que créateur, même si vous racontez simplement cette histoire qui est en vous, eh bien, cette histoire prend vie. Et c'est, je crois, ce qui est tellement essentiel dans la création. Les réalisateurs méritent une récompense parce qu'ils continuent à créer dans des circonstances très difficiles, dans des circonstances complexes. Ils continuent de créer en dépit des obstacles financiers, en dépit des obstacles en matière de distribution. Ils continuent à créer, ils continuent à présenter leurs œuvres au monde parce qu'ils pensent, il y a un impact, croyez-moi, il y a un impact. Et si nous parvenons à faire comprendre aux institutions, aux individus qui ont des ressources, que ces ressources mises au service des idées accomplissent énormément pour la société, pour les pays, pour l'Afrique, si nous pouvons le leur faire voir avec les exemples qu'il y a, Chinois HB, tout s'effondre, qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, qui a influencé des personnes du monde entier. La Noire 2 de Ousmane Sembène, et puis ce qui est moderne aujourd'hui, à fleur de peau, This Mournable Body. Nous devons voir comment ces histoires se diffusent. C'est une version du monde qui est racontée, une version du monde qui va finir par forger, par façonner le monde. Et c'est important de le comprendre. Et c'est ainsi que l'on pourra créer cette Afrique du futur dont nous avons un besoin criant. Tsitsi, j'allais justement vous poser cette question. Merci beaucoup.
j'ai vraiment retenu cette idée selon laquelle, lorsqu'une idée arrive à maturité, elle peut faire une différence, quelle que soit la façon dont elle est accueillie ou distribuée. Si on continue à le faire, avez-vous dit, il y a un moment où une masse critique de producteurs de cette nouvelle histoire pourra forger la politique, notre façon de penser. Et j'aimerais justement adresser cette question d'abord à Titi et ensuite à Marie et à Dayo. Le sous-thème de cette année, c'est la paix pérenne au service du développement, le rôle de l'histoire, on en a parlé, exploiter la culture et le patrimoine au profit de la transformation économique, le capital humain, la culture et le patrimoine, libérer ce potentiel. Alors je me souviens de Titi. Vous aviez parlé de cette Afrique créative, vous avez parlé de cet écosystème, de cette chaîne de valeur pour l'économie créative. Et je me demande, c'est lié à la question que j'ai posée avant, la société, les autorités, l'économie, est-ce qu'ils peuvent voir le potentiel dans un tel secteur, ce levier pour le développement durable, et auquel cas, est-ce que les perceptions peuvent changer? Est-ce que les investissements dans l'économie créative peuvent affluer? Oui, Modesta, c'est vraiment une voie que nous devons emprunter pour vraiment libérer le potentiel de l'économie créative à des fins sociales. Et j'aimerais citer l'exemple des sports. Au Zimbabwe, le sport, jusqu'à il y a peu encore, était mal vu. Et puis, des personnes exceptionnelles sont arrivées, de très bons footballeurs, ce sont en général les footballeurs qui parviennent à faire carrière. Un ou deux footballeurs ont joué dans des clubs anglais, c'était il y a 20 ou 30 ans. Et puis, on a commencé à y prêter attention, à se rendre compte que ce pouvait fonctionner. Les jeunes se sont sentis inspirés par ces personnes et ils se sont opposés à ceux qui leur disaient on ne peut pas gagner sa vie en faisant du sport. Donc ils ont persévéré, ils ont appris le sport à l'école parce que cela faisait partie du programme scolaire. Ensuite, ils fréquentaient des clubs après l'école, ils ont pu améliorer leurs compétences et pour finir, une personne avec de l'argent a investi dans ces jeunes. Donc je crois que le processus ici doit être le même. Nous devons bien comprendre qu'il faut d'abord ouvrir la voie. Et nous devons attirer l'attention des gens là-dessus. Lorsque je donne des conférences, en général, ce n'est pas sur le continent. Je suis invitée en Occident, en Australie ou ailleurs, mais pas sur le continent africain. Je ne partage pas sur le continent africain. Alors les choses ont commencé à changer, j'en suis très heureuse. Mais pour le cinéma, cela peut changer. Et l'un des problèmes de cette ère numérique que nous vivons, c'est le piratage. Il est important de comprendre que pour créer, pour ouvrir cette voie, il faut investir dans des produits qui ont le calibre suffisant pour permettre aux personnes de gagner leur vie. Si l'on n'y parvient pas, eh bien, les films ne se feront pas. Comme Dayo l'a dit, il y a des personnes qui vont juste continuer à faire des films. Mais il y en a d'autres qui les regardent et qui disent « Oh non, je ne veux pas faire ça parce que ces personnes ont l'air de souffrir. » Je sais que le Nigeria est une exception, mais ce n'est que tout en haut. Je connais beaucoup de réalisateurs nigériens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc nous devons ouvrir ces voies et l'on en revient à l'investissement, à la politique, à la connaissance. Comment peut-on mettre en place des politiques qui créent un environnement propice à l'épanouissement des industries créatives? Donc les conversations doivent se poursuivre, c'est tout à fait possible. On y travaille déjà, mais il faut en faire davantage. Et il y a deux choses qui sont vraiment nécessaires. D'abord, la formation. Lorsque je prends la SADC,
l'Afrique du Sud est quasiment le seul pays où les gens viennent se former. Je sais qu'il crée une école du secteur, pas une université, mais une école axée sur le produit. Je sais que le Botswana l'envisage aussi, mais en règle générale, il faut se rendre en Afrique du Sud. Et une fois qu'on est en Afrique du Sud, est-ce que l'on va rentrer dans son pays d'origine? S'il n'y a pas de formation dans son pays d'origine, c'est probablement qu'il n'y a pas de secteur, parce que les écoles ne sont pas nécessaires. Donc, ces personnes ne rentrent pas dans leur pays. Je sais que c'est le cas au Zimbabwe, donc ça, c'est un autre problème. Ensuite, il y a la question de ce que moi, j'appelle la collégialité. Beaucoup parlent de réseautage, mais je crois que cela va au-delà. Nous avons des institutions telles que le Collège royal de chirurgie. Nous avons besoin de cette identité de groupe de personnes qui produisent un produit qui est un service pour la société. Et cela n'existe pas. Il n'y a pas de plateforme où nous nous réunissons, où nous parlons. Il n'y a pas d'instance où nous pouvons nous connecter avec le pouvoir et avec l'argent, qui sont des ressources dont nous avons besoin. Donc, aussi longtemps qu'on ne met pas en place ces instances, ces outils, on n'en sera toujours qu'aux premières phases. Ce sera toujours imminent, mais ce ne sera jamais réel. Si les décideurs politiques nous écoutaient, nous avons énuméré un certain nombre de choses. J'ai pris note de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fils conducteurs. Les décideurs politiques, les investisseurs, qu'il s'agisse d'investisseurs africains locaux, s'ils nous écoutaient, qu'auriez-vous à leur dire? Où faut-il commencer? Toutes ces choses que vous avez énumérées, ces interventions transsectorielles, par où faut-il commencer en 2021? Quelle est votre recommandation? I'll take a quick shot at this, if you don't mind. Je vais répondre à celle-là, si vous voulez bien. Je dirais tout d'abord que il n'y a pas un point de départ. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que au cours des 20 dernières années, j'ai pu constater initiative après initiative qui ne sont allées nulle part, parce que on a toujours essayé de trouver une solution rapide. Cela étant dit, il y a très clairement des domaines prioritaires. L'un d'entre eux, très clair pour moi, c'est l'accès au financement pour les jeunes réalisateurs, pour les réalisateurs plus établis. C'est difficile partout, pas uniquement dans l'industrie du film, ça concerne l'ensemble du secteur de la création. C'est très difficile en Afrique. Titi l'a mentionné. La formation est également difficile. La distribution est compliquée. Et bien évidemment, à chaque fois, tous ces éléments reviennent à la même chose, le capital. Et je pense que dans ce contexte, il y a un espoir. Il y a plusieurs institutions panafricaines, notamment la Banque africaine d'export-import, qui a créé un fonds d'industrie pour le monde de la création, un fonds pour les films, et j'espère que les décideurs continueront de défendre cette initiative et vont contacter les gens de l'industrie et essaieront de comprendre des gens de l'industrie quelles devraient être les priorités. Alors, Titi l'a mentionné précédemment, et je le dis parce que il n'y a pas une solution qu'on peut vous présenter en 30 secondes ou en 5 minutes. Le rapport Framing the Shot, qui est un des premiers rapports de ce type à avoir été réalisé, est un rapport que j'ai co-signé et qui entre de manière détaillée dans ce sujet, parle des films africains, de l'industrie du film africain, quels sont les défis, quelles sont les solutions. Et très souvent, lorsqu'on se penche sur ces questions, on se dit, bon, bah, il n'existe pas vraiment d'informations sur ce sujet. Oui, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a maintenant.
nous avons fait une partie, en tout cas, des recherches nécessaires. D'autres seront nécessaires, mais c'est un bon point de départ. Et je vous propose d'examiner la section consacrée aux solutions, aux recommandations, parce que c'est le produit de des années de discussions, de conversations avec des réalisateurs africains sur les défis qu'ils ont rencontrés. Donc ne réinventons pas la roue. On dit souvent, il y a un dicton africain qui dit que l'histoire de l'Afrique est écrite dans le sable et qu'à chaque fois que le vent souffle ou la marée monte, tout disparaît. Mais il y a des choses qui existent, utilisons-les, utilisons ces ressources. Mais je suis sûr que Marie et Titi ont des contributions importantes également à apporter. Marie, votre micro est coupé. I absolutely do. Je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne les investissements à long terme, à savoir dans la formation, bien sûr. Nous vivons dans un monde où l'on veut à chaque fois des retours sur investissement immédiats. Et parfois, dans la culture, vous savez, les créatifs sont souvent en avance sur leur temps et ça prend parfois 2, 3, 4, 10 ans, 20 ans pour trouver son public. Et donc cette idée selon laquelle la culture et la réalisation fait partie de la culture, pour moi, que la culture doit être au centre de toutes ces politiques de développement est exacte. Nous ne pouvons pas simplement enseigner. Alors, comment on dit ça en anglais? J'ai un trou de mémoire. Les mots me manquent. La gestion. Tous nos enfants apprennent à faire de la gestion, du management, pour gérer des finances, pour gérer l'économie. Et lorsque quelqu'un décide d'étudier l'art, et c'est souvent le cas en Afrique, on lui répond, mais vraiment, sérieux, vous voulez être un artiste, vous n'êtes pas fou. Parce que l'art doit être fait et consommé, si je puis dire, après les heures de travail, pendant les vacances. Et donc, on n'est pas censé travailler dans le secteur de l'art. Pendant la journée, on doit faire un travail sérieux. Je pense que c'est très présent dans notre état d'esprit. Nous devons donc développer ces nouvelles créations, ces nouvelles générations de créateurs, et il est essentiel d'intégrer ce nouveau discours dans les nouveaux médias tout particuliers. Parce que cette révolution numérique est omniprésente. Ça a vraiment été une grande révolution pour nous, les réalisateurs. Pour produire les films. Mais il faut regarder les films des autres également. En Afrique, c'est encore plus difficile qu'en Europe parce que notre culture est vraiment diminuée. Quel est le lien entre la révolution numérique et les histoires orales? Il semble très ténu, mais je pense que nous pouvons rapprocher ces deux éléments. Je le pense vraiment. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur TikTok sans même savoir lire. Bon, TikTok, c'est pas la réalisation de films. Hein. Marie, j'aime beaucoup la manière dont vous résumez nos discussions. Alors, très bientôt, nous allons conclure. Lorsque nous avons commencé avec Titi,
il a été dit qu'il y a une histoire devait être réécrite ou abolie même pour être remplacée par la véritable histoire. Alors, je me souviens avoir entendu quelqu'un dire que la seule manière de nettoyer un verre d'eau sale, c'est de continuer à verser de l'eau dedans. Et je pense que les réalisateurs et les autres parties prenantes de l'économie de la création et de l'économie au sens large sont concernés. Et si cela ne semble pas logique pour les résultats escomptés d'une personne ou pour le, dans le cadre du budget d'un gouvernement ou d'un programme politique, eh bien alors ce n'est pas une priorité. Alors que nous allons conclure, je voudrais entendre vos remarques de conclusion sur le fait, comme vous l'avez dit à juste titre, l'effort doit être multisectoriel. Il faut réécrire l'histoire, il faut continuer de prendre la parole, d'influencer le discours pour créer un écosystème où il devient logique d'investir dans une industrie sérieuse, dans des efforts sérieux. Je voudrais entendre Titi, Dayo et Marie. Quelles sont vos conclusions ? Comment pouvons-nous garantir cette identité culturelle et refaçonner ces états d'esprit en ce qui concerne la réalisation de films et la création d'un discours pour l'Afrique que nous voulons? We can take ownership by... Nous pouvons faire cela en garantissant que nous produisons des œuvres compétitives, que les gens voudront véritablement voir des produits qui en appellent à leur imagination. Cela signifie qu'il faut un niveau professionnel, industriel, qui exige la formation dont Dayo a parlé, dont j'ai parlé. Il faut suffisamment de ressources pour produire de manière décente. Vous savez, les gens pensent qu'on peut donner une enveloppe de 5 000 $ à un film et qu'après celui-ci se diffuse sur tout le continent. Non, ça ne marche pas comme ça. Même au Nigeria, maintenant, les prix des films augmentent parce que nous sommes en compétition avec tous les autres films qui sont réalisés. Alors, comment cela peut être fait? Nous avons entendu de Dayo qu'il y a des gens qui travaillent sur ces questions de manière sérieuse. Que savent ces personnes des détails de la réalisation d'un film? Je me souviens que lorsque j'ai réalisé un de mes films, un membre de ma famille est venu me voir et m'a dit après, « Oh, Titi, je ne savais pas que c'était autant de travail. » Nous avons regardé le film et après quelques minutes, il est terminé, mais ça nécessite un travail énorme. Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que l'industrie fonctionne, que le processus de production fonctionne. Alors, les personnes qui prennent les décisions doivent parler aux gens que vous avez invités aujourd'hui, y compris moi, oserais-je le dire, parce que nous avons une idée de ce qui est nécessaire. Nous avons un bilan. Et donc, si ils attribuent les fonds de manière erronée, à des personnes qui ne veulent pas voir l'avènement de ce film africain, le résultat ne sera pas atteint. Ils vont essayer de filtrer l'authenticité dont nous avons besoin. Donc les personnes qui sont dans ces positions d'influence doivent commencer à parler à des gens comme nous et doivent commencer à nous écouter si nous voulons véritablement créer cette révolution imaginaire, sociale, culturelle et de l'identité que nous voulons. Merci beaucoup, Titi. Merci beaucoup. Dayo, c'était très bien dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Titi a dit. Ce que je souhaiterais ajouter, c'est peut-être une observation concernant ceux qui ne sont pas autour de la table.
Et très clairement, il y a les voix de certains artistes, même un artiste aussi, ou une artiste aussi accomplie que Tsitsi, qui travaille dans différents domaines, en littérature, en cinéma, ne bénéficie pas du type d'attention que tout son travail au cours de ces décennies mérite. Et il n'a pas l'attention des décideurs politiques. Mais je voudrais également parler de ceux qui ne sont pas présents, parce que les cinéastes, et les créatifs ou les aspirants créatifs qui n'ont pas accès à l'Ouest, comme c'est le cas de nous tous dans le cadre de cette discussion, il s'agit de l'Afrique rurale, et c'est un des thèmes de l'œuvre de Tsitsi. Elle a mis cela en avant de manière très claire à de très nombreuses reprises. Il y a une part importante du travail de réalisation qui est biaisée vers certaines idées, vers certaines histoires en ce qui concerne l'Afrique urbaine. L'Afrique urbaine est importante, mais nous ne devons pas parler pour ceux qui ne peuvent pas se faire entendre, y compris dans ce genre de table ronde. Alors, je ne sais pas quelle est la solution, et je ne pense pas qu'il y ait une solution facile, mais je pense que nous devons, de notre côté, être sensibles au fait que l'inclusivité doit être prise en considération. L'inclusivité née de genre, l'inclusivité ethnique, et des différents groupes d'âge, mais également l'inclusivité urbaine rurale. Il y a un jeune cinéaste égyptien dont le film Yom Edine a été sélectionné pour Cannes et a même été soumis par l'Égypte aux Oscars. Mais une des choses qui m'a frappé dans ce film, c'est que ce film se déroulait dans l'Égypte rurale, avec des personnages égyptiens ruraux. Et cela m'a frappé. Je me suis dit, ce n'est pas un point de vue qui est souvent utilisé. Et donc, même lorsque nous essayons d'améliorer les choses, nous devons être conscients des privilèges qui sont les nôtres, et nous devons essayer de garantir que les voix qui doivent être entendues aux côtés des nôtres le soient. Merci beaucoup, Ndayo. Nous devons effectivement ne pas perdre cela de vue. Marie. Alors, je suis tout à fait d'accord, bien évidemment, avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense, moi aussi, que nous devons davantage nous concentrer sur une espèce de cinéma panafricain. Nous devons garantir que nos films voyagent, soient vus, parce que nos problématiques sont similaires. Et cette séparation entre l'Afrique urbaine et rurale, elle est omniprésente. En tant que cinéaste, nous avons peut-être le privilège de pouvoir aborder ces deux mondes. Je suis réalisatrice, donc je veux raconter des histoires d'un point de vue africain. Comme vous le savez, tant qu'on n'entend pas la version du lion, les histoires continueront de glorifier le chasseur. Et donc, c'est vraiment important pour moi. Nous devons entendre le lion qui est si beau, si puissant et qui a tellement de choses à nous raconter. Et à toute petite échelle, parce que l'accès à l'Ouest, à l'ensemble des canaux de distribution, de diffusion de nos œuvres, c'est très complexe. Et donc, à notre propre niveau, par exemple, je vais distribuer le film de Dieudo Amadi,
qui est intitulé Downstream to Kinshasa et qui a été présenté à Cannes l'année dernière comme une première africaine. Et nous allons le diffuser dans des cinémas en France. Mais les gens me demandent, mais pourquoi vous qui êtes malgache, vous voulez faire ça, quel est l'objectif? Et moi, j'adorerais avoir davantage de films du Zimbabwe, de Madagascar et du Sénégal. Donc nous devons davantage échanger. Nous avons la possibilité de le faire parce que le cinéma peut nous rapprocher du monde, et ce, de manière très facile. Donc c'est une grande opportunité. Je pense vraiment que nous avons des personnes talentueuses. Nous avons tout le talent dont nous avons besoin. Nous avons juste besoin d'un accès. Merci. Je crois que cela conclut cette session en beauté. Comme vous le savez, la série de dialogues sur l'Afrique promeut le programme de l'Union africaine sur toute une série de thèmes. Et l'aspiration 5 de l'Union africaine parle de doter d'une forte identité culturelle le peuple africain avec leur diversité, un destin commun avec une identité africaine et une conscience panafricaine. L'objectif étant de construire ensemble un monde meilleur où personne n'est laissé pour compte. J'ai beaucoup réfléchi à la zone de libre-échange continentale africaine, ce que signifie son lancement pour le commerce entre les pays africains, comment cela pourrait influencer la croissance, la position, la priorité de l'économie créative en Afrique, où nous pourrions partager notre culture et aussi le considérer comme une chance à saisir ensemble pour la croissance économique durable. Merci à vous tous. Je me sens encouragée. Je sais qu'il y a des défis, mais je me sens très encouragée par le fait que vous allez continuer, quelle que soit l'évolution de la situation. Mais comme Titi l'a dit, il faut tirer profit de ce qui existe déjà. Dayo a parlé d'un rapport qui avait été écrit, donc il est important de consulter ces recherches, de voir ce que l'on peut faire. Marie, Tsitsi, Dayo et d'autres, ces réalisateurs qui sont sur le terrain, utilisons ces ressources que nous avons, unissons-nous pour construire l'Afrique que nous voulons. Donc voilà ce sentiment d'encouragement qui m'anime. Nous avons parlé des défis, nous avons parlé des perspectives dans lesquelles on peut investir. J'aimerais vous remercier de votre participation à cette séance d'aujourd'hui. Je vais conclure en remerciant les invités qui sont également des nôtres dans le public. Je vous propose de poursuivre cette conversation sur Twitter. Nous vous invitons à vous enregistrer pour la manifestation de 3 jours pour cette série de dialogues sur l'Afrique du 26 au 28 mai. Vous pouvez le faire par un.org/osaa. Merci aux intervenants, merci au public. Cette heure ensemble a été formidable.